nous voici dans ta présence pour t'offrir nos cœurs comme un sacrifice agréable, saint, de bonne odeur devant le trône de ta majesté. Père, me voici dans ta présence, t'offrir un chant de louange. Devant ta face, toutes mes craintes s'effacent. Mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je viens voir au sourd de ta lumière. Je viens décidé à te chercher jusqu'à te trouver. Te trouver. C'est mon désir de te servir, de te servir, de nourrir de ta loi et te plaire. Assoiffé, assoiffé, bien disposé, me réjouir dans ta présence. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Est-ce que vous m'entendez? Je vais mettre... Ok. Shalom, 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 famille TPS. Soyez bénis ce midi.
Soyez bénis ce midi, que le Seigneur vous bénisse. Alors dites-moi si vous m'entendez. Gloire à Dieu, nous disons bonjour au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur ce midi. Gloire à Dieu. Merci Jésus. On acclame le Seigneur ce midi. Merci Jésus. Alléluia. Je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre prière de ce midi. Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons encore ce midi. Merci Père de nous avoir gardés et protégés depuis la dernière session jusqu'à maintenant. Merci Père car tu nous as fait du bien. Seigneur, merci d'avoir combattu pour nous les combats visibles et invisibles, Seigneur. Merci Père de nous avoir conduits par le Saint-Esprit. Merci de nous avoir fait du bien. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions parce que tu es notre Dieu. Père éternel, reçois la gloire, reçois la louange encore en ce midi, que tu prennes le contrôle de cette session de prière par le Saint-Esprit, que tu puisses encore fortifier chaque personne et que Seigneur, ta nourriture ce midi nous prépare encore à l'enlèvement. Que tu prépares encore nos cœurs ce midi, que tu prépares encore nos vies, que tu prépares encore nos pensées, que tu prépares Seigneur nos âmes, et que tu nous fasses du bien. Prends le contrôle de ce temps de prière par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes donc dans notre session de PPRS, notre session où nous prions pour se préparer au retour du Seigneur, où nous prions pour se préparer à l'enlèvement de l'Église, afin que nous puissions faire partie de ceux qui vont être enlevés. Amen. Nous avons une grande espérance, c'est que Jésus revient bientôt et nous savons qu'il viendra nous chercher. Le Seigneur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, il est important que nous puissions prier pour nous préparer à l'enlèvement de l'Église, pour nous préparer au retour du Seigneur, afin que quand il va venir, que nous ne soyons pas surpris, que nous puissions partir avec lui. Alléluia. Alors, ce midi, j'aimerais traiter un sujet, c'est l'esprit de Démas. Écris avec moi, détruire l'esprit de Démas. Détruire l'esprit de Démas. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais que nous puissions l'écrire. Gloire à Dieu. Détruire l'esprit de Démas. Alors, nous allons faire quelques lectures et ensuite je vais commenter et nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous lisons rapidement dans 2 Timothée 4. Alléluia, non, pas celui-ci. Je vais d'abord prendre un autre. Excusez-moi, je vais prendre un autre. Voilà, il est où? Attendez. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ok, alors, attendez 2 minutes. Je vais envoyer ça ici. Il est où mon verset? Ok, il est là. Ok. Voilà. Voilà, ok. Dans Colossiens 4, verset 14, Colossiens 4, verset 14, il est écrit ceci, « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. » Amen. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Donc déjà, nous voyons le nom de Démas dans Colossiens 4, verset 14. Et la personne qui écrit l'épître aux Colossiens, c'est effectivement l'apôtre Paul. Amen. C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Colosse, qu'on appelle les Colossiens. Et dans sa salutation, il leur dit que Luc le médecin, donc Luc, celui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, et celui qui a écrit l'évangile de Luc. Amen. Les salue plutôt. Donc Luc le médecin, bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Donc nous voyons déjà le nom de Démas apparaître. Et Démas était quelqu'un qui était autour de Paul. Démas était un enfant de Paul. Démas était un collaborateur de Paul. Alléluia. Donc Démas était parmi les personnes qui travaillaient avec l'apôtre Paul. Et nous allons encore lire dans 2 Timothée 4 au verset 10. Gloire à Dieu. 2 Timothée 4 au verset 10. Il est écrit ici, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Alors j'aimerais, bien aimé ce midi, que nous puissions analyser un tout petit peu Démas. Amen.
Démas faisait partie des personnes qui étaient autour de l'apôtre Paul. En d'autres termes, Démas était quelqu'un qui bénéficiait des enseignements de l'apôtre Paul. Démas était quelqu'un qui était avec l'apôtre Paul, qui peut-être mangeait, dormait, qui était là, puisque dans Colossiens, quand l'apôtre Paul écrit à l'église de Colossiens, il parle de Luc et il parle de Démas. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. En d'autres termes, Démas était quelqu'un qui était très proche de l'apôtre Paul. Démas était quelqu'un qui était proche de lui. Mais dans 2 Timothée, je reviens encore, Démas a abandonné l'apôtre Paul. Pourquoi? Il y a la raison qu'il donne. Par amour pour le siècle présent. En d'autres termes, la chose qui a fait tomber Démas, c'est l'amour du monde. Alléluia. La chose qui a fait tomber Démas, c'est l'amour du monde. La chose qui a fait quitter Démas, l'apôtre Paul, c'est l'amour du monde. Bien-aimé, si nous voulons être enlevés, si nous voulons que quand le Seigneur viendra pour prendre son église, quand le Seigneur viendra enlever l'église, que nous puissions partir, alors nous devons faire attention à l'esprit de l'amour du monde. Nous devons faire attention à l'amour du monde. Écris avec moi, je dois faire attention à l'amour du monde. La question qu'on peut se poser, comment quelqu'un qui était avec l'apôtre Paul, un apôtre excellent, un apôtre qui a écrit la doctrine de l'Église aujourd'hui, un apôtre sur qui nous sommes basés, parce que nous sommes basés sur les écrits de l'apôtre Paul aujourd'hui encore, comment Démas a pu abandonner l'apôtre Paul? Comment, après avoir écouté tous les messages qu'il a écoutés, après avoir vu comment l'apôtre Paul fonctionnait, après avoir vu la vie de l'apôtre Paul, d'avoir vu les miracles, d'avoir vu la consécration de l'apôtre Paul, comment Démas a pu quitter l'apôtre Paul? Comment Démas a pu abandonner la foi? Alors, bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire attention à notre vie chrétienne. Amen. Ce n'est pas parce que je vais à l'église, ce n'est pas parce que je fais des prières, ce n'est pas parce que j'ai ma Bible dans les mains que je suis à l'abri de quelque chose. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention aux motivations de nos cœurs. Amen. Tu dois faire attention aux motivations de ton cœur. Je pose toujours cette question où je dis, pose-toi à toi-même la question, pourquoi je prie? Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je prie? Pourquoi je cherche Dieu? Pourquoi je m'attache à la prière? Pourquoi j'ai besoin de prier? Réponds toi-même à ta question. Parce que malgré que Démas était à côté de l'apôtre Paul, Démas était rempli. L'amour du monde ne l'avait pas encore quitté. Démas était rempli de l'amour, de l'amour du monde, de l'amour des choses de la terre. Malgré qu'il était à côté de l'apôtre Paul. En d'autres termes, être à côté d'un pasteur, être à côté de, à côté d'une servante ou d'un serviteur de Dieu, être à côté d'un leader quelconque ne te garantit pas le ciel. C'est ton cœur d'abord. Alléluia. C'est ton cœur d'abord. Tout commence par la motivation. Pourquoi je prie? Vous devez absolument répondre à cette question. Est-ce que je prie parce que j'ai besoin d'un mariage? Est-ce que je prie parce que j'ai besoin que mon mariage puisse être sauvé, que Dieu touche mon mari, que nous puissions avoir une belle vie ensemble? Est-ce que je prie pour que le Seigneur touche le cœur de mon fiancé pour qu'il puisse m'épouser? Est-ce que je prie pour que je puisse avoir un travail? Donc, j'ai tellement besoin du travail que je dois prier. Est-ce que je prie pour que Dieu puisse répondre à mes besoins? Ou je prie parce que j'ai besoin de servir Dieu? Ou je prie parce que j'ai besoin de quitter la vie du péché? Ou je prie parce que j'ai besoin de retourner à la vie éternelle? Parce que j'ai besoin de suivre Jésus? Parce que j'ai besoin de gagner la vie éternelle? J'ai besoin de vivre pour l'éternité? Est-ce que je prie pour les choses de la terre? Ou je prie par rapport aux choses spirituelles? Est-ce que je prie pour les choses de la terre? Où je prie pour les choses spirituelles? Il faut absolument répondre à cette question. Alléluia. Bien-aimé, tu dois répondre à cette question. En fait, la réponse à cette question sera la fondation de ta foi. La réponse à cette question sera la fondation de ta vie spirituelle. Si tu réponds correctement à cette question, alors rien ne pourra te faire tomber. Rien ne pourra te faire chavirer. Rien ne pourra te faire abandonner. Est-ce que je prie parce que je suis quelqu'un? J'ai besoin d'aller à l'église parce qu'à l'église, j'ai des sœurs, j'ai des frères. Quand je ne les vois pas, je ne suis pas bien, alors je dois aller. Ou bien je prie par rapport à ma vie spirituelle, par rapport à mon éternité.
Est-ce que je prie parce que j'aime Jésus, parce que je veux servir Jésus, parce que je veux suivre Jésus, parce que je veux abandonner la vie du péché, ou bien je prie parce que je veux quelque chose, j'ai besoin de voir quelque chose dans ma vie? Bien-aimé, cherche d'abord les choses du royaume. Nous devons d'abord chercher les choses du royaume. Parce que Démas a abandonné l'apôtre Paul. Comment Démas peut abandonner l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, on peut dire, c'est le meilleur pasteur qui existait, l'un des meilleurs pasteurs qui existait sur la terre. Mais comment on peut abandonner quelqu'un qui te donne des si bons messages? Comment tu peux abandonner quelqu'un avec qui Dieu marche? Comment tu peux abandonner quelqu'un? Bien-aimé, à cause ou encore pour l'amour, par amour pour le siècle présent, pour l'amour du monde, pour les choses de la terre. C'est pour cela que nous devons faire attention aux motivations de nos cœurs. Qu'est-ce qui remplit mon cœur? Est-ce que c'est l'amour du monde qui remplit mon cœur? Ou bien c'est l'amour des choses de Dieu? Est-ce que c'est l'amour de la sanctification? Est-ce que c'est l'amour de la pureté? Est-ce que c'est l'amour de ma relation avec le Saint-Esprit? Ou bien c'est l'amour du monde qui remplit mon cœur? Tu dois répondre à cette question. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Bien-aimé, quand nous sommes remplis de l'amour du monde, on est comme du vent. Nous sommes comme un roseau. Il suffit d'un rien pour que nous puissions quitter le navire. Il suffira d'un rien pour que nous puissions abandonner la foi. Il suffira d'un rien pour de l'amour du monde. Parce que vous devez savoir que si tu es rempli de l'amour du monde, le diable le sait. Puisque l'amour du monde, c'est sa semence. Donc, quand tu as la semence du diable, il le sait. Il sait que celle-là a ma semence, celui-ci a ma semence, cette personne a ma semence. Donc, il va d'abord te laisser un peu dans ton délire, tu pries, tu pries, tu pries. Et le jour où il voudra te secouer, il va juste te secouer un tout petit peu. C'est fini, tu vas tomber. Il va juste secouer un tout petit peu. Il va juste utiliser quelqu'un qui va dire quelque chose qui va te faire mal. Et c'est fini, tu abandonnes. Parce que, à la base, tu n'es pas rempli de l'amour de Christ. À la base, tu n'es pas rempli de l'amour du Saint-Esprit. À la base, tu n'es pas rempli. Bien-aimé, si nous sommes remplis de l'amour de Jésus, rien ne pourra nous faire tomber. Ça, je vous dis. Rien ne pourra te faire tomber. Qu'on te fasse quoi que ce soit, rien ne pourra te faire tomber. Faisons attention à l'amour du monde. Faisons attention à l'amour du monde. L'amour du monde, c'est quoi? C'est l'argent. L'amour du monde, c'est quoi? C'est l'orgueil, parce qu'on doit, tu as besoin qu'on puisse voir que toi, tu es là. Tu as besoin qu'on puisse te considérer. L'amour du monde, c'est quoi? C'est aimer qu'on puisse t'élever. L'amour du monde, c'est quoi? C'est aimer qu'on puisse te reconnaître, parce que tu as fait ça, donc on doit te reconnaître. L'amour du monde, c'est quoi? C'est le moi. L'amour du monde, c'est l'amour du moi. C'est l'amour de la chair. C'est l'amour de soi-même. Un amour exagéré de soi-même. Donc, on ne peut pas te piétiner. On ne peut pas faire une erreur sur toi. On ne peut pas se tromper sur toi. Le bien-aimé, le diable connaît. Quand quelqu'un a sa semence, il sait que celui-ci a ma semence. Maintenant, quand le diable sait que tu n'as pas sa semence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement passer par des gens autour de toi pour vouloir te faire tomber. Voilà, il va passer autour de toi pour te secouer. Mais comme tu n'as pas sa semence, tu ne peux pas tomber. Le vent viendra du nord, le vent viendra du sud, le vent viendra de l'ouest, de l'est, le vent viendra de l'ouest. Tu seras toujours là, tu ne vas pas bouger. Tu seras peut-être secoué un peu. Tu vas aller un peu à droite, un peu à gauche, mais tu resteras toujours fixe. Tu resteras toujours enraciné parce que tu es enraciné en Christ. Faisons attention à l'amour du monde, bien-aimé. Fais attention. Je te pose encore la question. Réponds à toi-même, n'écris même pas dans les commentaires. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Pose-toi toi-même la question. Qu'est-ce qui remplit mon cœur? Qu'est-ce qui remplit mon cœur? Est-ce l'amour de Christ ou l'amour des choses de la terre? Est-ce l'amour de Christ? Pose-toi la question. Alléluia. Posons-nous cette question sérieusement. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Quand on lit tout le verset, si je vous lis tout le verset, tout le contexte, 2 Timothée 4 à partir du verset 9 jusqu'à 11, il dit ceci. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi. » Car il m'est utile pour le ministère. Bien-aimés, faisons très attention. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Si c'est l'orgueil qui remplit mon cœur, alors je ne vais jamais supporter qu'on puisse m'humilier. Je ne vais jamais supporter qu'on puisse me faire du mal. Vous savez,
Quand Dieu veut te tailler, des fois, il passe par les gens autour de toi pour t'humilier, justement. Des fois, il va permettre l'humiliation parce qu'il veut que l'orgueil la puisse quitter. Quand Dieu veut te tailler, il va des fois permettre que quelqu'un te parle mal. Pourquoi? Parce qu'il veut travailler ton cœur, l'amour. Il veut travailler l'amour de ton cœur. Il veut travailler ton amour. Il veut que tu puisses apprendre à supporter ceux qui te font du mal. Vous devez savoir aussi, bien aimé, que les gens qui sont autour de nous, des fois, ces personnes-là sont comme les agents secrets de Dieu. Oui, les personnes qui sont autour de toi sont comme des agents secrets de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu peut les utiliser pour te faire mal. Dieu peut les utiliser pour faire une erreur sur toi, pour qu'ils puissent travailler ton cœur. Mais si ton cœur n'est pas solide, si tu n'es pas bâti sur Christ, si tu n'es pas bâti sur les valeurs de Christ, si tes pensées sont trop versatiles, alors tu vas tomber. Tu vas tomber, tu ne vas pas supporter. Mais une personne qui est bâtie sur Christ, bien aimé, quel que soit, il fixe ses regards sur Christ, quel que soit. Quand l'accuse, quand lui parle mal, quand l'écrase, quand lui fasse du mal, il fixe ses regards sur Christ. Alléluia, c'est très important. Attention à l'esprit de Démas. Cet esprit de Démas qui est d'abandonner la foi. L'esprit de Démas qui est d'aimer le monde. L'esprit de Démas qui est d'être rempli d'amour, de l'amour du monde. L'esprit de Démas qui est d'être rempli de l'amour du monde, rempli du moi, rempli de la chair. Malgré qu'il était à côté de l'apôtre Paul. Malgré qu'il était dans l'église. Et bien aimé dans l'église, on retrouve beaucoup de chrétiens charnels. Oui, beaucoup de chrétiens sont très charnels, c'est-à-dire remplis de l'amour du monde. Remplis de l'amour des choses de ce monde. Remplis d'orgueil. Remplis de méchanceté. Remplis, mais ils font juste semblant. Semblant, tant que tu ne l'as pas dérangé, tant que cette personne est dans sa tanière et que tu ne l'as pas dérangé, donc tout va bien. Mais le jour où tu déranges cette personne, alors tu vas voir de quel bois elle se chauffe. Le jour où tu déranges cette personne, tu vas voir comment son cœur va se déverser. Bien aimé, que ça ne soit pas notre cas. Faisons très attention. Pourquoi nous prions? Faisons très attention. Ne ratons pas l'enlèvement à cause des mauvaises motivations de nos cœurs. Ne ratons pas l'enlèvement à cause de l'amour du monde. Parce que tu as l'amour pour le monde. Alors, tu commences à abandonner ta foi. Il y a des personnes qui abandonnent la foi à cause de l'argent, même l'argent de l'église. À cause de l'argent de l'église. Parce qu'on doit expliquer à cette personne comment vous avez dépensé cet argent. Alors, si vous ne pouvez pas expliquer, la personne quitte. C'est que la personne n'a jamais aimé Jésus. Quand tu aimes Jésus, ça, c'est des choses qui sont... C'est pas ton problème. Ça, tu laisses le trésorier gérer. C'est son problème avec Dieu. Quand tu aimes Jésus, tu ne vas pas... Tu ne voudras pas toujours mettre ton nez sur tout, dans tout. Non. Toi, tu es là pour chercher le Seigneur. Tu es là pour servir Dieu. Tu es là pour faire ta part. Imaginez-vous que la main dise, avant que je donne la nourriture à la bouche, le pied doit me donner la justification pourquoi il m'a emmené là-bas. Pourquoi ce pied m'a emmené au centre commercial? Pourquoi les pieds m'ont emmené, à l'hôpital? Avant que je ne mette la nourriture dans la bouche, que je donne la nourriture à la bouche, le pied doit me donner l'explication. Alors, imaginez. Quel sera ce corps? Ce corps va devenir un monstre. Nous devons faire attention. Alléluia. Nous faisons partie du corps de Christ et chacun pour sa part. Chacun doit servir selon que le Seigneur lui donnera de servir. Chacun doit être à la place où le Seigneur l'a assigné. Alors faisons attention aux motivations de nos cœurs. Faisons attention parce que le diable peut remplir ton cœur. Oui, le diable peut remplir ton cœur. Satan peut remplir ton cœur. Satan peut remplir tes pensées. Satan peut remplir tes motivations. Satan peut te donner des pensées. Alors, il faut faire attention à toujours te poser la question, la pensée que je pense là, elle vient d'où? Elle vient du diable ou elle vient de Dieu? Pose-toi les questions pour ne pas tomber dans l'esprit de Démas. Démas avait abandonné la foi. Lui qui était avec Luc, lui qui était avec les Tites, les Timothées, mais à un moment donné, à mi-parcours de sa foi, il a abandonné. Bien-aimé, n'abandonnons pas à mi-parcours. N'abandonnons pas à mi-parcours. Ne soyons pas de ceux qui commencent bien. Ils commencent bien, mais ils finissent mal. Amen. Ne sois pas de ceux qui ont bien commencé avec le zèle de la foi. Mais à mi-chemin, tu abandonnes. Pourquoi? Pour les choses de ce monde. Tu abandonnes. Pourquoi? Pour des choses d'argent. Tu abandonnes. Pourquoi? Parce qu'on m'a mal parlé. Tu abandonnes pourquoi? Parce qu'on m'a mal regardé. Tu abandonnes pourquoi? Parce qu'on ne m'a pas fait ci. En fait, tout ça, d'abord, c'est centré sur toi-même. Tu es centré sur toi-même parce qu'on ne m'a pas fait ça. Donc, tu es centré sur toi. Tu n'es pas centré sur Christ.
Nous devons être centrés sur Christ. Il faut toujours te poser la question. Bon, moi, on ne m'a pas fait ça. Si c'est moi, moi, mais quel est l'intérêt de Christ dans tout ça? Ça ne sert à rien, bien-aimé. Je ne veux pas abandonner ma foi pour ça. Je ne veux pas abandonner le bateau pour ça. Je ne veux pas abandonner mon église pour ça. Je ne veux pas abandonner mes frères et sœurs pour ça. Amen. Faisons très attention. Faisons attention à nos pensées. Lisons la parole dans Matthieu 16, 22 à 23. La Bible dit, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Verset 23. « Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Bien-aimé, si nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, alors Satan va remplir nos cœurs. Faisons très attention. Comment Pierre, l'apôtre que nous connaissons, Pierre qui a fait des grandes choses, mais à un moment donné, Satan avait rempli les pensées de Pierre. Pierre qui a dit à Ananias, comment as-tu menti au Saint-Esprit? Ananias, comment peux-tu mentir au Saint-Esprit? Mais lui-même, Pierre, avant, il est arrivé que Satan avait rempli ses pensées. En d'autres termes, bien-aimé, je ne suis pas à l'abri, tu n'es pas à l'abri. Tu dois faire attention parce que le diable, Satan, peut remplir tes pensées. Alléluia! Satan peut remplir tes pensées. C'est pour cela, pose-toi toujours la question, les pensées qui sont en train de monter dans mon cœur, sont-ils de Dieu ou du diable? Oui, tu peux faire ton état des lieux toi-même. Tu peux regarder l'état de ton cœur toi-même. Bien-aimé, ne rate pas l'enlèvement. Jésus a appelé Pierre Satan. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale. Imaginez-vous maintenant que ton pasteur te dit, arrière de moi Satan. Tu vas quitter l'église ce jour-là, je suis sûre. Je suis certaine à 100%. Alléluia. Je suis certaine à 100% que tu diras, je quitte cette église, ce pasteur n'a pas l'amour. Bon, imaginez Pierre dire, je quitte l'église, je quitte le Seigneur, il m'a traité de Satan, parce que, comment il peut m'appeler Satan? D'ailleurs, j'étais là juste pour le défendre. Et pourtant, Pierre, ce qu'il a dit n'était pas mauvais, il voulait défendre le Seigneur. Quand le Seigneur a dit qu'il doit mourir, Pierre a dit non. Pierre a pris le Seigneur à part, donc il a grondé même le Seigneur. La Bible dit au verset 22, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Donc il a commencé à reprendre le Seigneur, imaginez-vous. Il a commencé à faire des reproches à Jésus. Il dit, à Dieu ne plaise, que Dieu le veuille ou pas, cela ne t'arrivera pas. Donc tu ne vas pas mourir, tu n'iras pas à la croix. Mais Pierre ne savait pas que le Seigneur devait accomplir cette mission-là pour qu'il soit sauvé. Le Seigneur devait aller à la croix, donc il ne devait pas intervenir. Il ne devait pas venir avec sa force humaine pour défendre Jésus. Non, Pierre ne savait pas ça. Mais tout de suite, le Seigneur savait que ça, ce n'est pas Pierre qui parle. C'est Satan qui est en Pierre maintenant, là, c'est Satan. Donc automatiquement, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend Satan. En fait, il n'a pas parlé à Pierre, mais il a parlé à Satan. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas parlé à Pierre, mais il a parlé à Satan. Il a parlé à cet esprit qui agissait en Pierre. Si c'était toi, je te dis, je suis sûr à 1 000 000 %, tu allais quitter l'église. Oui, tu allais quitter l'église. Ce pasteur n'a pas l'amour. Comment il peut me traiter de Satan? Ce pasteur n'a pas l'amour. Cette prophétesse n'a pas l'amour. N'écoutez pas ce qu'elle raconte, des bêtises. Elle m'a traité de Satan. En fait, il ne parlait pas à Pierre. Il parlait à l'esprit qui était en Pierre. Il parlait en cet esprit qui a agi en Pierre. Il parlait en cet esprit qui agissait. Bien-aimé, commence à identifier les pensées qui manquent dans ton cœur. Commence à voir quelle est l'origine de tes pensées. Si c'est Satan, dis arrière de moi Satan. Bien sûr, parle à toi-même. Quand c'est une mauvaise pensée, une pensée qui veut venir pour que tu puisses haïr quelqu'un, dis arrière de moi Satan. Quitte mes pensées. Sors de mes pensées. Sors de ma vie. Satan, quitte mes pensées maintenant dans le nom de Jésus. Satan, arrière de moi Satan. Oui, tu lui dis arrière de moi Satan parce que c'est Satan qui est en train de remplir tes pensées. Alléluia, tu dois identifier l'origine de tes pensées. Tu dois identifier les fondements de tes pensées. Aujourd'hui, au 21e siècle, quelqu'un va faire la vidéo. Mon pasteur m'a traité de Satan. C'est un homme de Dieu qu'il ne faut pas écouter. Cette église n'a pas d'amour. Cette église est une église où Dieu n'est pas dedans. Comment il peut me traiter de Satan? En fait, il ne parlait pas à Pierre, mais il parlait à l'esprit. Et Pierre, étant quelqu'un qui aimait le Seigneur, n'a pas riposté. Il a seulement regardé, alléluia, et voyez ce que Pierre est devenu après.
un grand apôtre. Regardez ce que Pierre est devenu après. Mais si Pierre avait dit, comme tu m'as traité maintenant, je vous abandonne. Les amis, en tout cas, désolé, j'ai toujours été comme un chef pour vous. D'ailleurs, c'est toujours moi qui vous défends. C'est toujours moi qui règle les problèmes. C'est toujours moi qui va aller voir le Seigneur pour lui dire s'il y a des problèmes qui ne vont pas. Je lui ai parlé, c'était pour le défendre, mais il me traite de Satan. Alors les amis, je vous laisse. En tout cas, débrouillez-vous avec lui. Débrouillez-vous avec lui, je vous laisse. Pierre n'allait pas devenir ce qu'il allait être. Pierre n'allait pas devenir ce qu'il était devenu. Ce grand apôtre qui a fait des grands miracles, qui a fait des exploits au nom de Jésus. Ce grand apôtre qui a pris la parole après le fusion du Saint-Esprit. Celui qui a donné la première prédication de l'Église. Il n'allait pas le devenir. Parce que, pourquoi? Parce qu'il a compris que je ne dois pas abandonner. Même si il m'a reprimandé maintenant, mais je ne dois pas abandonner. Parce que je sais que cet homme est Dieu. Parce que je sais qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Je ne peux pas l'abandonner. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Faisons attention aux pensées qui remplissent nos cœurs. Ça doit être les pensées de Dieu. Faisons attention. Ça ne doit pas être les pensées des hommes. Fais très attention. Alléluia. Fais très attention. Tu dois refuser les pensées des hommes. Tu dois refuser ce que Satan veut mettre dans ton esprit. Tu dois refuser. Comment expliquez-vous, bien-aimé? Comment vous allez expliquer quelqu'un qui est très zélé, très, très zélé, 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 mais du jour au lendemain, la personne change. C'est comme si ça devient le jour et la nuit. Vous avez connu le jour, maintenant vous connaissez la nuit. Pourquoi? Ce qui remplit le cœur de cette personne. En fait, ça émerge. Faisons attention à l'esprit de Démas qui a abandonné l'apôtre Paul. Faisons attention à l'esprit de Démas. L'esprit de Démas, l'esprit du monde. L'esprit de Démas, cet esprit d'abandon de la foi à cause des choses de ce monde. Cet esprit d'abandon de la foi à cause de l'orgueil, à cause du moi, à cause de la fierté, à cause de ton amour propre. Donc tu veux qu'on puisse, on doit te reconnaître, on doit, c'est toi, pour toi. Faisons très attention. Alléluia. Faisons très attention. Que cela ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. Et nous allons prendre une leçon que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens 4, versets 8 à 9. Philippiens 4, 8 à 9, il dit, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Alléluia. Des fois, tu pries, Seigneur, sois avec moi. Seigneur, que ta paix soit avec moi. Pose-toi la question. Est-ce que tes pensées sont les pensées de Dieu? Alléluia. Fais attention à l'esprit de Démas. Est-ce que tes pensées sont les pensées de Dieu? Que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Est-ce que ce que tu penses là est vrai? On te dit que telle personne ne t'aime pas. On te dit ta mère ne t'aime pas. On te dit ta grande sœur ne t'aime pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as vérifié? Toi, tu prends, tu portes comme un vêtement. Elle ne m'aime pas. D'ailleurs, elle ne m'aime pas. Ma grande sœur m'a dit que ma mère ne m'aimait pas. Parce que y a ma cousine qui a dit à ma grande sœur que ma mère lui avait parlé. Vous voyez, la chaîne commence déjà à être très longue. Une longue chaîne, tu ne sais pas. Et tu es convaincu que ta maman ne t'aime pas. Ma mère ne m'aime pas parce que la cousine a dit à la grande sœur. Et la cousine, c'est l'oncle qui lui avait dit. L'oncle, c'est l'autre qui lui avait dit. La chaîne est longue. Tu ne connais pas ce qui est vrai. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas la vérité. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. La vérité. Un enfant de Dieu marche dans la vérité. Il n'y a pas de demi-mensonge, demi-vérité. J'ai seulement dit quand même une demi-vérité. J'ai quand même dit la moitié. Non. C'est la vérité ou rien. Alléluia. Parle de la vérité. Dis les choses qui sont vraies. Ne marche pas dans le mensonge. Parce que les menteurs ne vont pas hériter le royaume des cieux. Ne marche pas dans le mensonge. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, c'est ça qui doit être l'objet de tes pensées. Alléluia. Tout ce qui est juste, est-ce que tu marches dans la justice? Est-ce que ton cœur est rempli de justice? Pose-toi la question à toi-même. Tout ce qui mérite, tout ce qui est pur, est-ce que tes pensées, c'est la pureté? Tout ce qui est aimable, est-ce que tu as des pensées aimables dans ton cœur? Pose-toi la question à toi-même. Tout ce qui est vertueux, est-ce que tu as des pensées vertueuses dans ton cœur?
Est-ce que, il dit encore, est digne de louange. Est-ce que tu as des pensées qui sont dignes d'être louées dans ton cœur? Sois l'objet de vos pensées. Faisons attention, bien-aimé. L'esprit de Démas, Démas a été rempli de Satan. C'est pour ça qu'il avait abandonné. Démas a été rempli de Satan. Pierre, à un moment donné, Satan avait rempli ses pensées. Faisons très attention. Bien des fois, Satan remplit nos pensées. Oui, bien des fois, Satan remplit nos pensées. Alors, tu dois toujours vérifier tes pensées. Tu dois toujours, bien aimé, jauger tes pensées. Tu dois toujours checker tes pensées. Est-ce que ce que je pense est de Dieu ou ça vient du diable? Est-ce que ce que je pense sur ma sœur, déjà, je regarde, est-ce que ce que je pense est juste? Est-ce que c'est vrai? Commence à te poser la question. Est-ce que ce que je pense est honorable? Penser que ma sœur me déteste. Penser qu'il y a ça qui ne va pas. Penser que mon mari me déteste. Est-ce que c'est honorable? Commence à te poser la question. Et le Saint-Esprit va commencer à te parler. Le Saint-Esprit va commencer à te parler. Bien aimé, beaucoup de personnes risquent de rater l'enlèvement pour des toutes petites choses comme ça. Pour des petites choses. Pourquoi? Parce que leur pensée est remplie de l'amour du monde. Leur pensée est remplie de Satan. Leur pensée, c'est-à-dire Satan a pris la place dans leur cœur. Satan a pris la place dans leur pensée et ils n'arrivent pas à se défaire. Et pourtant, pour te défaire, c'est très simple. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus, c'est terminé. Arrière de moi, Satan, au nom puissant de Jésus. Et tu commences à dire, je déclare au nom de Jésus, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, c'est l'objet de mes pensées. Au nom de Jésus, je déclare que l'objet de mes pensées, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est honorable, c'est ce qui est juste. Tout simplement, tu prends ce verset, tu commences à confesser, tu commences à prier dessus. Tu pries pour tes pensées. Alléluia. Tu pries pour tes pensées. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que ce qui est vrai est l'objet de mes pensées. Je déclare maintenant que ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, c'est ce qui remplit mes pensées dans le nom de Jésus. Je refuse tout ce qui est injuste. Je refuse tout ce qui est faux. Tu commences à refuser. Et tu dis, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Satan va fuir loin de toi. Tu vas voir que tu vas reprendre ta force. Tu vas reprendre ta joie. Tu vas reprendre. Alléluia. Tu vas reprendre. Surtout, bien aimé, les hommes de Dieu souffrent. Pourquoi? Des prédications. Des prédications qu'ils font, des prédications que nous faisons, nous souffrons tout simplement parce que je donne une prédication qui est inspirée du Saint-Esprit, mais quelqu'un dit, non, on a parlé de moi. Alors que la prédication, elle est pour tout le monde. Alléluia. La prédication, elle est pour tout le monde. La prédication, c'est pour celui qui va la recevoir. C'est comme une semence. Quand tu la reçois, elle porte du fruit dans ton cœur. Si tu la rejettes, c'est ton problème. Mais elle est donnée à tout le monde. Elle n'est pas donnée à quelqu'un de spécial. Elle n'est pas donnée, elle ne pointe pas quelqu'un de spécial. Elle sort pour tout le monde. La prédication sort d'abord pour le prédicateur lui-même. Alléluia. Parce que vous savez, je serais malheureuse, ou encore un prédicateur serait très malheureux, malheureux, vraiment malheureux, mille fois malheureux, de prêcher quelque chose seulement pour les autres et pas pour lui-même. La prédication est d'abord pour nous-mêmes. La prédication est d'abord pour la personne qui est en train de prêcher. Et ensuite, il la donne aux autres. Donc, elle est pour tout le monde. Mais quand quelqu'un dit non, il a parlé de moi. Ah non, c'est pas vrai. Alléluia, ce n'est pas vrai. Alors, faisons attention à nos pensées. Faisons très attention. Si tu étais Pierre, tu allais quitter l'église. Il m'a traité de Satan. Il m'a traité de Satan. Ah, la prophétesse n'a pas l'amour. Elle m'a traité de Satan. Comment elle peut me traiter de Satan? Alors, je vais aller faire un Facebook live maintenant. Il faut que je dénonce cette sorcière. Parce qu'elle m'a traité de Satan. Faisons très attention. Alléluia. Faisons très attention. Mais quand tu as les pensées de Christ, quand tu as les pensées de Dieu, vous voyez, tu prends, tu ne dis rien et tu laisses le Seigneur faire le travail. Parce que, assurément, le meilleur est à venir. Alléluia. Le meilleur est à venir. Et tu sais que le Seigneur va t'emmener loin, quel que soit ce que tu peux voir autour de toi. Parce que le diable va chercher à te faire tomber de plusieurs manières, par plusieurs choses, par des incompréhensions. Mais toi, si tu fermes tes oreilles et que tu fixes tes regards sur Christ, alors jamais tu tomberas. Tu seras ferme jusqu'à la fin. En fait, le point de mon exhortation est juste très simple. Tout simplement pour te dire, sois ferme jusqu'à la fin. Sois ferme dans ta foi jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. N'abandonne pas ta foi comme Démas à mi-chemin. N'abandonne pas ta foi pour l'amour de ce monde, pour l'amour des choses de la terre. N'abandonne pas ta foi, bien-aimé, pour les choses de la terre. Non, n'abandonne pas ta foi parce que tu te dis que tu avais raison quand tu n'as pas donné raison. Parce qu'en ce qui concerne Pierre, Pierre avait quand même, pour lui, il avait raison puisqu'il voulait défendre le Seigneur. Ce n'était rien de mauvais. Mais et pourtant, Satan avait rempli son cœur. Là où il croyait avoir raison, c'est le diable qui avait rempli son cœur.
Tu dis, mais j'avais raison, c'est moi qui ai raison, mais comment m'a parlé comme ça? Bien-aimé, reste humble, même si tu avais raison. Mais tu dis, Seigneur, je fixe mes regards vers toi. Je ne veux pas abandonner ma foi pour ce petit problème. Je ne veux pas abandonner ma foi pour cette situation. Je ne veux pas abandonner ma foi parce que je n'ai pas de travail. Je ne veux pas abandonner ma foi parce que je n'ai pas de mariage. Je ne veux pas abandonner ma foi parce que, soi-disant, j'ai trop prié et que je n'ai rien vu. Je ne veux pas abandonner ma foi parce que le plus important, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le plus important, c'est que je m'accroche à Christ. Mon but et mon objectif, c'est Jésus-Christ en moi. C'est tout ce que je cherche. C'est que Christ puisse remplir ma vie. Que Christ puisse remplir ma vie. Qu'il puisse s'asseoir sur l'autel de mon cœur. Que Christ puisse se former en moi. Que Christ soit formé en moi. C'est ma passion. C'est mon objectif. C'est mon but. Que un jour, je puisse le voir face à face. Tel il est, alléluia, que je puisse le voir, que un jour je puisse rentrer dans la félicité de sa gloire. C'est ce que je cherche, c'est ce que je veux et c'est ce que je désire. Alors j'en ai que faire de tout le reste qui est autour de moi. Si tu commences à réfléchir comme ça, alors bien-aimé, tu vas aller jusqu'à la fin et l'esprit de Démas n'aura pas raison de toi. L'esprit de Démas ne va jamais t'atteindre, ne va jamais te faire tomber, ne va jamais, ça peut te secouer, mais ça ne va jamais te faire tomber. Pourquoi ? Parce que ton but et ton objectif, c'est Christ. Tes pensées sont remplies des pensées de Dieu. Alléluia. Ton objectif, c'est Christ. C'est très important. C'est très important. Si nous voulons avancer dans la foi, si nous voulons avoir une foi solide, si nous voulons être des chrétiens solides, alors il est important de faire attention aux pensées de son cœur. Qu'est-ce qui remplit mon cœur? Qu'est-ce qui remplit mon cœur? Quelle est ma motivation? Pourquoi je prie? Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi? Réponds à ces questions. Alléluia. Et si c'est des bonnes réponses qui ont pour objectif Christ, si c'est des bonnes réponses qui ont pour objectif l'amour de Christ, alors bien-aimé, tu as tout gagné. Rien ne te fera tomber. Parce que les choses de ce monde, même si tu les manques, cela ne te fera rien. Tout ce qui est l'honneur de ce monde, que les gens puissent t'élever, que les gens puissent t'acclamer, que les gens puissent te reconnaître, tu verras ça comme de la boue, tu n'as pas besoin. Ce que tu cherches, c'est que Christ puisse te reconnaître. Alléluia. Tu n'as pas besoin que les gens puissent t'acclamer. Ce que tu veux, c'est que le ciel puisse t'acclamer. Alléluia. Tu n'as pas besoin que les gens puissent dire, ah, c'est bien. Tu as besoin que Jésus dise, c'est très bien. Très, très bien. Fidèle serviteur. Très bien. Bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Tu as besoin d'entendre les félicitations du Seigneur. Quoique, bien-aimé, l'homme a besoin que les hommes puissent aussi reconnaître. C'est vrai. Mais si les hommes le reconnaissent, donne toujours la gloire à Dieu. Ne la prends pas pour toi. Ne dis pas, ah, il m'a reconnu, c'est super. Non, 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 non. Donne toujours la gloire à Dieu. Remets-toi en question. Cherche à plaire au Seigneur. Fais les choses correctement. Alléluia. Marche dans la pureté. Marche dans la sanctification. Pourquoi? Parce que tu as un but, un objectif, c'est que tu puisses voir Christ un jour, que tu ne puisses pas rater, que tu ne puisses pas rater l'enlèvement, que tu ne puisses pas rater l'enlèvement. Alors, quand tu as pour passion Christ, le diable, même s'il vient, il va rôder autour de toi, il voudra te mettre l'amour du monde. Tu vois, tu n'es pas marié, tu vois, tu n'as pas ceci, tu vois, tu n'as pas cela, tu vois, l'autre t'a mal regardé, tu vois, l'autre ne s'est pas occupé de toi, tu vois, l'autre a mal parlé de toi, tu lui diras, arrière de moi, Satan, mon but et mon objectif, c'est Christ et non pas l'autre. Mon but et mon objectif, c'est Christ. Si l'autre ne m'aime pas, moi j'irai l'aimer. Alléluia. Si l'autre ne m'aime pas, moi j'irai l'aimer. Si l'autre me parle mal, moi je lui parlerai avec amour. Si l'autre ne me fait pas du bien, moi je lui donnerai des cadeaux. Si l'autre, c'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça. Ne sois pas frustré parce que la frustration ouvre la porte au diable. L'amertume ouvre la porte au diable. La colère ouvre la porte au diable. Bien-aimé, si tu pries avec colère, ta prière est nulle. Nulle, mais nulle, nulle, nulle. Si tu pries avec amertume, ta prière est nulle. Si tu pries, Dieu n'écoute pas. Pourquoi? Parce que tu es rempli d'amertume, de colère, de haine. Comment tu vas prier? Tu lèves tes mains comme ça. Quand tu lèves tes mains, Seigneur, Seigneur, Dieu vous dit, règle d'abord ton cœur. Ton cœur est mauvais, ton cœur est mauvais, ton cœur est mauvais, ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Ça sera du bruit devant le Seigneur. Ça sera du bruit. Faisons attention, je vous en prie. J'insiste vraiment. Faisons attention à nos cœurs. Alléluia. Tour de prière ce matin. Faisons attention aux pensées de nos cœurs. Ne ratons pas le ciel après avoir tout ce que nous, après avoir fait tout ce que nous faisons ici, on se connecte même jusqu'à vomir, jusqu'à se fatiguer. On se connecte, on prie. Et finalement, à la fin, que le Seigneur dise que je ne t'ai jamais connu. Ah non. Alléluia, que cela ne nous arrive pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous devons être des chrétiens de qualité.
rempli du Saint-Esprit, rempli de Christ, rempli de l'amour de Dieu, rempli de la passion pour Dieu, des chrétiens de qualité, je dis bien des chrétiens de qualité. À quoi sert-il, bien-aimé, d'avoir 5000 personnes qui te suivent si eux tous ils sont mauvais, si eux tous ils ne sont pas convertis, si eux tous c'est pas possible. Vaut mieux avoir peu de personnes, mais qui sont remplies de la passion de Christ, qui sont des personnes de qualité. C'est très important. Alléluia, c'est très important. J'insiste là-dessus. J'insiste et j'insiste encore. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. L'apôtre Paul a dit, Démas l'a abandonné. Toi, n'abandonne pas ta foi. Alléluia, n'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ta marche avec Dieu. N'abandonne pas parce que quelqu'un t'a dit la prophétesse a fait ci. N'abandonne pas parce que quelqu'un t'a dit ton pasteur a fait ci. N'abandonne pas. Ce sont les ruses du diable. N'abandonne pas. Même si on te dit ton pasteur a fait ça, dis même si mon pasteur a fait ça, mais j'ai le pasteur des pasteurs Jésus. Je continue. Alléluia. Je continue et je continuerai encore. Je continuerai encore et encore. C'est très important. C'est très important. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier et nous allons terminer. Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour la parole? Dis merci au Seigneur pour cette exhortation que le Saint-Esprit nous a donnée, Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette exhortation que le Saint-Esprit nous a donnée ce midi. Nous voulons lui dire merci, que cette parole puisse trouver un cœur fertile, que cette parole trouve une place dans nos cœurs et que nos cœurs puissent recevoir cette parole et qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur avec moi, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole encore ce midi, Seigneur, qui nous a encore donné la vie, qui m'a encore fortifié. Merci pour ta parole, Seigneur, ô Dieu, qui est sortie afin d'arroser mon cœur, afin d'arroser ma vie, afin d'arroser ma vie spirituelle. Seigneur, je te prie encore que cette parole puisse trouver la place, que cette parole, cette semence puisse s'asseoir dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Que cette parole qui est sortie ce midi puisse trouver un cœur fertile, une terre fertile, Seigneur, afin qu'elle puisse porter du fruit. Je reçois cette parole avec action de grâce. Je reçois cette parole avec joie. Je reçois cette parole avec faveur. Je reçois cette parole, Saint-Esprit. Je reçois cette parole, Saint-Esprit, que cette parole puisse nous arroser encore et qu'elle nous fasse du bien dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimés, Démas avait abandonné le chemin de la foi. Il avait abandonné la foi. Il avait abandonné l'apôtre Paul à cause des choses de ce monde, à cause des choses de ce siècle, à cause des problèmes de la vie, à cause des manques de la vie, à cause des souffrances de la vie. Bien-aimés, nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon pour chaque fois que nous avons boudé, oui, je dis le mot boudé, nous avons murmuré, nous avons été découragés à cause des choses de ce monde, au point même que notre foi a été touchée. Ce n'est pas normal. Nous allons demander pardon. Tu vas dire, tendre Père, je te demande pardon. Pardonne-moi pour chaque fois que les choses de ce monde m'ont découragé. À cause des choses de ce monde, j'ai baissé mon intensité de foi. Pardonne-moi pour chaque fois que, Seigneur, j'ai failli abandonner à cause des choses de ce monde. J'ai failli baisser les bras. Je me suis même découragée. Je reconnais, bien aimé, devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Je me suis même découragée. J'ai même commencé à bouder. J'ai commencé à mal parler. J'ai commencé à m'éloigner. J'ai commencé à ne plus prier à cause des choses de ce monde. Peut-être parce que j'avais entendu, peut-être que parce que j'avais vu, peut-être que parce qu'on m'avait fait, peut-être que parce que j'avais prié et que je n'ai pas reçu de réponse, alors je commençais je me suis dit, je laisse tomber. Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, demandons pardon. Demandons pardon au Seigneur pour chaque fois que l'esprit de Démas avait pris la place dans nos cœurs, pour chaque fois que l'esprit de Démas a pris la place dans nos cœurs, plusieurs fois, parce que j'ai prié pour le mariage n'est pas venu, alors je me suis découragée. Parce que j'ai prié pour le travail n'est pas venu, alors j'ai abandonné la foi. Je dis, je prie plus ces jours si je prie pas. Parce que, bien aimé, qu'est-ce que ça fait, ça blesse le Seigneur? Qu'est-ce que ça blesse le cœur du Seigneur? Parce que si tu savais que le mariage c'est Christ, si tu savais que le travail c'est Christ, si tu savais que l'honneur que tu cherches c'est Jésus-Christ, si tu savais l'élévation que nous cherchons, c'est Christ, celui qui est
en Christ est élevé avec lui. Celui qui est en Christ est honoré avec lui. Celui qui est en Christ est béni en Christ. Celui qui est en Christ reçoit tout en Christ. Commence à demander pardon. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Tendre Père, encore ce midi, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que nous avons abandonné, entre parenthèses, notre foi, à cause, Seigneur, des choses de ce monde. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que, Seigneur, nous avons baissé les bras, on priait même plus à cause des choses qu'on nous a faites, à cause des problèmes que nous avons vécus, à cause des injustices, soi-disant, que nous avons vécues. Seigneur, nous avons baissé les bras. Nous te demandons pardon. Seigneur, je te demande pardon. Nous venons, Seigneur, avec humilité, devant le trône de ton pardon, te demander pardon. Parce que, Seigneur, nous avons oublié que c'est toi qui es notre objectif. Nous avons oublié, Seigneur, que c'est toi qui es notre but. Nous avons oublié que c'est toi qui es notre souverain bien. Nous avons oublié, Seigneur, que c'est toi qui es notre tout. Nous avons oublié, Seigneur, que c'est toi qui es tout ce que nous avons besoin. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour cela. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que nous avons abandonné la foi. Nous avons, Seigneur, oh Dieu, abandonné la prière. Nous avons abandonné la méditation à cause des choses de ce monde. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que nous avons manifesté l'esprit de Démas. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que nous avons été remplis des pensées des hommes, des pensées de la chair, des pensées de Satan. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous ce soir. Pardonne-nous ce midi, Seigneur, et fais-nous grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne la tour de prière semeur. Pardonne-nous nos péchés. Toutes choses que nous faisons, Seigneur, et qui ne t'honorent pas, mais que nous continuons toujours de faire. Nous te demandons pardon. Et fais-nous grâce en ce jour. Fais-nous grâce, après avoir écouté ce message, que nous puissions vraiment changer. Que nous puissions vraiment être transformés. Que nous soyons changés complètement, radicalement. Changés dans le nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de faire une opération de transformation dans ton cœur. Tu vas dire, cher Saint-Esprit, fais une opération de transformation radicale dans mon cœur. Que je sois transformé, que mes pensées se transforment, que mes pensées soient changées, que mes pensées soient restaurées, que mes pensées soient des nouvelles pensées dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, fais une opération de transformation radicale dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Fais ton opération spirituelle. Change-moi, change-moi. Restaure mes pensées, restaure mes pensées. Restaure mon cœur, restaure ma vie. Change-moi, Saint-Esprit, change-moi afin que je ne puisse pas rater l'enlèvement. Change-moi, Saint-Esprit. Oh, c'est plus que urgent. Bien-aimé, dis au Saint-Esprit, c'est urgent. Change-moi, change tout ce qui doit changer dans mon cœur. Change tous les domaines de mes pensées qui doivent changer. Change-moi, Saint-Esprit, change-moi, change-moi. Transforme-moi, enlève les mauvaises pensées, enlève les mauvaises semences, enlève les semences de Satan. Commence à prier, bien-aimé, demande au Saint-Esprit de faire une opération de changement radical dans ta vie, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, alors que je suis à la porte de midi, je te prie ce midi, fais une opération de transformation radicale de mon cœur dans le nom de Jésus. Fais une opération de transformation radicale de mes pensées dans le nom de Jésus. Change mes pensées, change mon cœur, change-moi. Saint-Esprit, change les domaines de ma vie qui doivent être changés. Change mes pensées, délivre-moi des mauvaises pensées dans le nom de Jésus. Délivre-moi de l'amour du monde dans le nom de Jésus. Délivre-moi de l'amour des choses de ce monde dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, fais un travail radical. Change-moi ce midi. Transforme-moi, que je ne rate pas l'enlèvement, que toutes les semences de l'ennemi qui sont dans mon cœur comme des pièges, qui sont dans mes pensées comme des pièges, pour m'empêcher d'être enlevé, que cela soit ôté au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais une opération de transformation dans la pensée d'une personne qui est connectée. Saint-Esprit, fais une opération de transformation maintenant dans la pensée d'une personne qui est connectée ici, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, coupe, enlève les semences d'orgueil, enlève les semences de l'amour du monde, enlève les semences du moi, enlève les semences de l'amour de la chair, enlève les semences de l'amour du moi, ôte les semences de l'amour de l'amour de soi-même dans le nom de Jésus. Que cela soit ôté des cœurs, que cela soit ôté des cœurs au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je t'en supplie, commence à faire le
l'opération. L'opération sans cicatrice commence à ôter, à enlever l'orgueil, à enlever le mensonge, à enlever la colère, à enlever le péché, à enlever les choses de ce monde qui risquent de nous faire rater l'enlèvement dans le nom de Jésus. 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 Cher Saint-Esprit, une opération de transformation radicale. Radical et définitif. Radical et définitif au nom de Jésus. Radical et définitif au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous refusons d'être des chrétiens qui tombent et qui se relèvent, qui tombent et qui se relèvent. Saint-Esprit, accorde-nous la grâce que nous puissions nous relever une fois pour toutes au nom de Jésus. Que nous puissions nous relever une fois pour toutes au nom de Jésus. Que nous ne soyons pas des chrétiens remplis de l'esprit de Démas au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, commence à faire l'opération transformation. Commence à transformer. Nous te donnons la permission ce midi de faire la transformation. Transformation, de faire l'opération, de faire l'opération, de pratiquer l'opération dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. L'apôtre Paul a dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de tenir ferme dans la foi jusqu'à la fin. Accorde-moi la grâce de tenir ferme dans la foi, de tenir ferme dans la foi jusqu'à la fin. Que je ne puisse pas abandonner à mi-chemin, que je ne puisse pas laisser tomber, que je ne puisse pas abandonner ma foi. Je t'en supplie, cher Saint-Esprit, accorde-moi la grâce d'aller jusqu'au bout. Accorde-moi la grâce d'aller jusqu'au bout. Commence à prier. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de t'accorder la grâce d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Oui, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Que tu ne puisses pas abandonner ta foi. Cher Saint-Esprit, je te prie encore ce midi, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce d'aller jusqu'au bout. Que je ne puisse pas abandonner. Que je ne puisse pas abandonner ma foi. Mais que je puisse aller jusqu'au bout dans la foi. Que je puisse aller jusqu'au bout dans la foi. Que je puisse rester fidèle dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d'être fidèle dans la foi jusqu'à la fin. Accorde-nous la grâce d'être juste dans la foi jusqu'à la fin. Accorde-nous la grâce, alléluia, d'être dans la vérité de la foi jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que nous ne puissions pas tomber. Que nous ne puissions pas abandonner. Que nous ne puissions pas laisser tomber. Que les choses de ce monde ne nous fassent pas tomber. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que nous soyons fidèles jusqu'à la fin. Que nous soyons des bons serviteurs et des bonnes servantes jusqu'à la fin. Que nous soyons des véritables enfants de Dieu jusqu'à la fin. Que nous soyons des véritables chrétiens jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Bien-aimé, la Bible déclare dans Matthieu 16 au verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Bien-aimé, c'est parce que Pierre était rempli d'humilité qu'il n'a pas quitté Jésus. C'est parce que Pierre était rempli d'humilité qu'il n'a pas boudé. C'est parce que Pierre avait le discernement aussi qu'il a compris que le Seigneur ne parlait pas à lui, mais parlait à l'esprit qui travaillait au travers de lui. Mais parler à l'esprit qui agissait en lui. Bien-aimé, nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir de son humilité. Alléluia. Tu vas dire, cher Saint-Esprit, remplis-moi de l'esprit d'humilité. Remplis-moi de l'esprit d'humilité afin que je puisse aller jusqu'au bout. Remplis-moi de l'esprit d'humilité. Enlève l'orgueil, enlève la colère, enlève l'amertume. Bien-aimé, si Pierre était rempli d'amertume, il n'allait pas rester avec le Seigneur. Si Pierre était rempli de colère, il n'allait pas rester avec le Seigneur. Si Pierre était rempli de mauvaises pensées, il n'allait pas rester, il allait quitter, mais il est resté malgré la parole difficile que le Seigneur a dit contre lui, malgré la parole qui était dure, mais devant tout le monde en plus, mais bien aimé, il est resté. Il est resté, il est resté, il est resté parce qu'il était rempli d'humilité. Bien-aimé, demandant l'humilité, l'humilité, l'humilité. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont humbles. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont les cœurs comme des enfants. Le royaume des cieux appartient à ceux qui se font tout petits. Oui, il a dit, si vous faites tout petit, c'est ça, le royaume des cieux appartient aux enfants, à ceux qui sont petits. Pas aux personnes qui se croient tout, qui croient tout connaître. Pas aux personnes qui croient connaître tout. Pas aux personnes qui se sentent que... qui voient qu'ils sont des grands.
non, mais ceux qui ont les cœurs d'enfants, qui sont comme des enfants. Bien-aimé, demande l'esprit d'humilité. Demande au Saint-Esprit de te donner l'esprit d'humilité. Cher Saint-Esprit, nous te prions ce midi, remplis-nous de l'esprit d'humilité. Que nous soyons remplis de l'esprit d'humilité, afin que nous ne puissions pas abandonner. Remplis-nous de l'esprit d'humilité. L'humilité dans la foi, l'humilité dans le service, l'humilité dans tout ce que nous faisons. Dans le nom de Jésus, donne-nous les cœurs d'enfants, les cœurs humbles, le cœur humble, les cœurs remplis d'humilité, afin que nous ne puissions pas rater le royaume des cieux. Dans le nom de Jésus, je te prie, cher Saint-Esprit, mets sur moi le manteau de l'humilité, mets sur moi un cœur d'humilité, mets sur moi un cœur, alléluia, un cœur qui se fait petit, un cœur d'enfant, afin que je puisse hériter le royaume des cieux. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, donne-moi une humilité qui me fait voir les autres comme au-dessus de moi. Dans le nom de Jésus, cher Saint-Esprit, donne-nous un cœur d'humilité qui nous fait voir les autres comme au-dessus de nous. Donne-nous un cœur d'humilité qui va nous pousser à servir les autres. Donne-nous un cœur d'humilité qui va regarder les autres avec des yeux de compassion, même si on me fait mal, mais que je regarde que c'est le péché qui est en train de faire ça. Même si on me fait mal, mais que je regarde que c'est un esprit méchant qui est en train de faire ça. Que je ne regarde pas contre la personne, mais que je regarde l'esprit qui agit en cette personne. Donne-nous le cœur d'humilité, un cœur d'humilité qui sera totalement consacré à toi. Donne-nous le manteau de l'humilité, que nous puissions marcher dans l'humilité, afin que nous ne puissions pas abandonner, afin que l'esprit de Démas ne soit pas en nous. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, bien-aimé, demande au Saint-Esprit l'esprit d'humilité, demande au Saint-Esprit le manteau de l'humilité, demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit le manteau de l'humilité. Tu as besoin de l'humilité pour avancer dans ta foi, tu as besoin de l'humilité pour ne pas tomber dans ta marche de la foi, que tu as besoin de l'humilité pour ne pas abandonner ta vie spirituelle, tu as besoin de l'humilité pour ne pas tomber dans les ruses du diable, tu as besoin de l'humilité, tu as besoin de l'humilité. Quand le diable va remplir le cœur de quelqu'un pour t'écraser, mais parce que tu es humble, oh bien-aimé, l'humilité sera ton bouclier, l'humilité sera, bien-aimé, ta protection, l'humilité va te protéger, tu ne tomberas pas. Quand le diable va rentrer dans la bouche d'une personne pour mal te parler, parce que tu es humble, l'humilité va te couvrir, l'humilité sera ton bouclier, l'humilité va être ton élévation, dans le nom de Jésus. Quand le diable voudra utiliser les pieds de quelqu'un pour t'écraser, bien-aimé, parce que tu es humble, l'humilité va t'élever, l'humilité va te donner la force, tu seras plus fort que la personne qui voudra t'écraser. Quand le diable voudra utiliser quelqu'un pour t'insulter devant tout le monde, mais parce que tu as l'esprit d'humilité, l'humilité sera ta force, l'humilité sera ta gloire, l'humilité va être ta protection, ton bouclier. Demande l'esprit d'humilité dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sois rempli de cet esprit, du manteau de l'humilité, sois rempli du manteau de l'humilité dans le nom de Jésus. Quand ton mari voudra t'écraser, que le manteau de l'humilité qui est en toi soit ton bouclier dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ils te chercheront la guerre, ils voudront te vaincre, mais parce que tu as le manteau de l'humilité, ils ne te vaincront jamais, ils ne te vaincront jamais. Ils chercheront à te mettre en colère, ils chercheront à te sortir de tes gants, ils chercheront à ce que tu puisses pécher, que ta bouche puisse pécher, mais parce que tu as le manteau de l'humilité sur toi, rien ne va t'arriver, rien, tu ne réagiras pas, parce que tu as le manteau de l'humilité sur toi, alors tu seras toujours plus fort, tu seras toujours au-dessus de tes adversaires, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, cher Saint-Esprit, remplis-nous du manteau de l'humilité, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit, alléluia, de remplir tes pensées. Tu vas dire, cher Saint-Esprit, remplis mes pensées maintenant de tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, de tout ce qui est digne de louange, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, inspire-toi du verset qui est devant toi. Commence à demander au Saint-Esprit de remplir tes pensées de ce qui est vrai, de ce qui est honorable, ce qui est juste, au nom de Jésus. Commence à prier avec moi, au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, alors que je me tiens à la porte de midi, je te prie ce midi, Saint-Esprit, remplis mes pensées de tout ce qui est vrai, remplis mes pensées de tout ce qui est honorable, dans le nom de Jésus, remplis mes pensées, Saint-Esprit, de tout ce qui est juste, au nom de Jésus, remplis mes pensées de tout ce qui est pur, de tout ce qui est aimable, de tout ce qui mérite l'approbation, remplis mes pensées, cher Saint-Esprit, de tout ce qui est vertueux, dans le nom de Jésus, remplis mes pensées de tout ce qui est digne de
louange. Je t'en supplie, Saint-Esprit, que mes pensées soient remplies de toi, que mes pensées soient remplies de tes pensées, que mes pensées soient remplies de ce qui est vrai, que mes pensées soient remplies de ce qui est juste, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ce midi, cher Saint-Esprit, traite avec mes pensées, remplis dans mes pensées, remplis mes pensées de tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Délivre-moi de tout ce qui est pensée humaine. Délivre-moi de tout ce qui est pensée maléfique. Délivre-moi de tout ce qui est pensée du diable. Délivre-moi de tout ce qui est pensée du diable. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et remplis-moi de tes pensées. Cher Saint-Esprit, remplis-moi de tes pensées. Remplis quelqu'un de tes pensées. Remplis quelqu'un de ce qui est vrai. Oui, que ce qui est vrai soit mon partage. Que ce qui est honorable soit mon partage. Que ce qui est juste soit mon partage. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est pur soit mon partage. Dans le nom puissant de Jésus. Que mes pensées soient remplies de tes pensées, dans le nom de Jésus. Que mes pensées soient remplies de tes pensées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas encore demander au Saint-Esprit. Tu vas dire, cher Saint-Esprit, aide-moi à m'éloigner du péché. Alléluia. Cher Saint-Esprit, aide-moi à m'éloigner du péché pour de bon. Oui, que tu puisses t'éloigner du péché pour de bon. Que tu ne sois pas quelqu'un qui aujourd'hui tu tombes, demain tu te relèves, demain tu tombes encore, tu te relèves, tu tombes dans la fornication, tu tombes dans l'impudicité, tu tombes dans le mensonge, tu mens, tu tombes dans le vol, tu tombes dans beaucoup de choses. Tout le temps tu tombes, tu te relèves. Non, non. Que ta vie ne soit pas une vie de yo-yo, tomber, relever. Et si tu tombes, que Jésus revient, qu'est-ce qui va arriver? Bien-aimé, cherche à te relever une fois pour toutes. Dis au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia, à m'éloigner du péché une fois pour toutes, dans le nom de Jésus. Aide-moi à m'éloigner du péché pour de bon, dans le nom puissant de Jésus. Aide-moi à m'éloigner du péché, cher Saint-Esprit, et aide-moi à obéir à la parole de Dieu. Que je puisse obéir à la parole de Dieu. Que je puisse obéir à toute la parole de Dieu. Que je puisse obéir à toute la parole de Dieu dans sa complétude. Que je puisse obéir à toute la parole de Dieu dans sa complétude, au nom de Jésus. Que je ne choisisse pas des versets, que je ne choisisse pas des péricopes, que je ne choisisse pas des parties. Non, mais que je puisse obéir à toute la parole de Dieu. Je t'en supplie, bien-aimé, prie avec moi, demande au Saint-Esprit de t'aider à t'éloigner du péché une fois pour toutes, à t'éloigner du péché pour de bon, dans le nom de Jésus. Que ton cœur ne puisse plus aller au péché facilement, naturellement, non, que tu puisses refuser cela, parce que tes pensées seront maintenant des pensées de Dieu. Commence à demander au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je te prie ce midi, éloigne-moi du péché, une fois pour toutes. Éloigne-moi du péché. Aide-moi à m'éloigner du péché. Aide-moi à m'éloigner du péché. Que le péché ne soit pas ma vie. Que le péché ne soit pas mes pensées. Que le péché ne soit pas mes envies. Dans le nom puissant de Jésus. Que mes péchés, que les péchés ne soient pas mes envies. Que les péchés ne soient pas mes délices. Que les péchés ne soient pas les pensées de mon cœur. Dans le nom de Jésus. Aide-moi à m'éloigner. Aide-moi à m'éloigner du péché. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et aide-moi, cher Saint-Esprit, à obéir à la parole de Dieu. À obéir à toute la parole de Dieu. À toute la parole de Dieu. Même les versets qui me font mal. Même les versets que je ne comprends pas. Même les versets qui sont compliqués. Mais que je puisse obéir parce que c'est la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Aide-moi à obéir à toute la parole de Dieu. Que je puisse aimer là où je dois aimer. Que je puisse pardonner là où je dois pardonner. Que je puisse, oh Seigneur, donner là où je dois donner. Que je puisse faire du bien là où je dois faire du bien. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Que je puisse obéir à toute la parole de Dieu. Remplis la parole de Dieu dans mon cœur. Remplis mon cœur de la parole de Dieu. Remplis mes pensées de la parole de Dieu. Remplis ma vie de la parole de Dieu. Remplis ma maison de la parole de Dieu. Remplis ma famille de la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, remplis-moi de la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Sois la fondation de ma vie. Sois le fondement de ma vie. Sois le désir de ma vie, Seigneur. Sois le désir de mon cœur. Sois le désir de mes pensées. Sois le désir et mon objectif. Sois mon but, mon désir, mon objectif. Sois le désir de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, dis merci au Seigneur pour l'exaucement. Dis merci au Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci.
Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Merci d'avoir exaucé, Seigneur, nos prières. Merci d'avoir travaillé nos cœurs encore ce midi. Merci de nous avoir ramenés sur le droit chemin afin que nous soyons prêts, Seigneur, pour ton retour. Afin que nous ne puissions pas rater l'enlèvement de l'Église. Afin que nous soyons fermes jusqu'à la fin. Merci de nous avoir encore affermis et enracinés dans ta parole. Merci de nous avoir affermis et enracinés, Seigneur, ô Dieu de gloire, dans cette parole merveilleuse. Nous te disons merci. Reçois la gloire, reçois la louange. Seigneur, merci de bénir ton peuple. Bénis tous ceux qui sont connectés à cette session. Bénis aussi ceux qui vont se connecter plus tard. Seigneur, accorde-leur ce que leur cœur désire. Que le Seigneur vous accorde ce que vos cœurs désirent. Car il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Parce que vous avez cherché le royaume de Dieu. Parce que vous avez cherché la justice de Dieu. Que tout le reste de votre vie vous soit donné. Que ce que vous désirez vous soit accordé dans le nom de Jésus. Que le ciel puisse statuer sur votre cas. Que le ciel puisse statuer, que le tribunal des cieux puisse voir comment vous êtes en train de vous préparer, qu'il puisse voir les motivations de vos cœurs et qu'il puisse vous accorder ce que votre cœur désire dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit votre partage dans le nom de Jésus. Que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit votre partage dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin. S'il vous plaît, merci d'aimer la vidéo. Ne partez pas si vite. Cliquez juste sur aimer la vidéo. Amen. Et partagez à une personne. Ça pourrait faire du bien à quelqu'un peut-être qui a abandonné son église ou qui encore ne prie plus. Voilà, à cause des déceptions dans les églises, à cause des déceptions. Donnez cette exhortation à cette personne-là. Peut-être que ça peut l'aider à revenir sur le droit chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Alors, ne partez pas sans aimer la vidéo. Aimez vraiment la vidéo. Aimez la vidéo. Et on se retrouve ce soir pour la guerre de minuit à partir de 22h30. Soyez fortifiés. N'oublions pas, si nous voulons soutenir l'opération Maison de Prière, nous avons toujours notre opération qui continue. Amen. Nous pouvons donner nos dons pour la Maison de Prière par PayPal ou encore par... Dieu est bon. Il est tellement bon, rempli de compassion et d'amour. Aïe, Jésus est bon. Il est bon, aïe. Il est bon. Aïe, mon papa est bon, il est bon. Il est rempli d'amour, Jésus. Il est bon. Il est rempli de compassion, Jésus. Il est bon. Il est rempli de joie, Jésus. Il est bon. Il a quitté son trône pour mourir pour moi. Il est bon. Aïe, Jésus est bon. Il est bon. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.